petit bivouac. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Cyborg Nature Bidouille, que je remercie énormément puisqu'il a fait le déplacement, plus de 6 heures de train pour venir me rejoindre, alors que le temps n'est pas forcément excellent pour un bivouac, mais ça va peut-être être son premier bivouac sur l'année. Bon ben salut, me voilà arrivé dans les Hautes-Alpes avec Jules, bon, merci de m'accueillir. Il a prévu le beau temps, hein, comme vous pouvez le constater, mais bon, on va peut-être faire le premier bivouac pour moi sous la neige, donc ça va être excellent, quoi qu'il arrive on risque de s'amuser. Et voilà, on débute la sortie sous une sorte de neige fondue. Donc c'est vraiment très très beau. Bon, ça mouille beaucoup, mais c'est très beau. Et au-dessus, on voit que la montagne est déjà bien prise, donc qui va être remplie de neige. Et au-dessus, dans les bois à gauche, il y a déjà de la neige, alors que c'est pas vraiment loin au-dessus de là où on compte aller. Donc ça va être super sympa. Voilà, comme on peut le voir, sur le chemin, il y a déjà pas mal d'eau. Voilà, ça vient prendre carrément au-dessus de la godasse. On va voir ce que ça donne au niveau du ruisseau. Bon ben... voilà, là c'est le ruisseau qui est bien gonflé. D'habitude, il n'y a vraiment pas autant d'eau. Donc on va quand même le remonter, mais restez quand même assez prudent sur le coin qu'on va choisir. Pour qu'on soit quand même en sécurité. Que vous allez avoir pas mal de buée sur la caméra ce soir, et désolé, mais bon, on peut pas faire autrement. Et donc le ruisseau a vraiment gonflé, et l'endroit où j'avais prévu initialement d'aller, où il y a deux belles cascades en haut, ben, c'est un peu impossible d'y aller parce qu'on doit marcher dans le ruisseau. D'habitude il y a un peu les pierres qui dépassent, et là ça va pas être faisable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter encore un petit peu et essayer de voir, sachant qu'Yvan va nous rejoindre de nuit, donc ça serait vraiment pas cool pour lui qu'on aille tout en haut. Donc on va voir, on continue de chercher le coin. Voilà, donc là on arrive, on a un peu un dilemme par rapport à la sortie, à Yvan et tout ça, de savoir si on monte ou pas. Sachant que là, ça a vraiment gonflé, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça va être assez difficile de passer sans se mouiller. Pour vous donner un exemple, souvent je vais avec mon fils ici, donc c'est des passages qui sont quand même accessibles. Là ça va être difficile, donc on va essayer de passer sur la gauche pour voir si on peut passer un peu plus loin. Voilà, du coup je pense qu'on va rester un peu dans ce coin. Ça serait difficile d'aller vraiment plus haut comme on pensait le faire au tout début, sachant que pour aller vraiment au but, il reste encore une bonne heure de marche dans le ruisseau, donc ça va être difficile. Ici le coin est assez sympa quand même, on a de quoi placer les hamacs et le ruisseau évidemment à proximité, c'est plutôt pas mal. Donc on va retourner chercher les sacs.
un endroit bien plat, etc. On va aller monter là-haut, installer de quoi se mettre à l'abri et puis à faire du bois. Je sais pas trop ce que je raconte, mais bon, on va continuer comme ça. L'improvisation. Voilà, on repart avec les sacs pour rejoindre le camp. Voir ce que ça donne. Voilà, on a réussi à accéder au coin avec les sacs, ce qui n'était pas forcément super évident parce que ça glissait pas mal. Donc là, la priorité qu'on va avoir, c'est de se monter déjà une bâche, un petit appentis pour être minimum à l'abri et mettre les affaires. Et ensuite, on va faire de même avec une seconde pour essayer de commencer à collecter un petit peu du bois. Voilà, une petite astuce, c'est pas très glamour, ça fait un petit peu plastoc, etc. Mais prendre des sacs poubelles quand il pleut, c'est vraiment intéressant parce que ça coûte rien et puis là, nos affaires sont à l'abri. Donc là, j'ai des habits de rechange qui seront à l'abri si jamais j'en ai besoin. Et d'autres affaires qui craignent un peu l'eau. Donc toujours en avoir évidemment pour jeter les déchets. Mais ça peut aussi servir pour ça, sachant qu'on peut mettre un gros sac à l'intérieur du sac de couchage, du sac à dos, pardon, pour qu'il soit complètement étanche. Voilà, on a mis un petit moment à se décider sur le coin qu'on allait prendre pour mettre la bâche, pour se protéger et éventuellement pour passer la soirée et faire du feu. Donc on va se mettre là, moi je pense que je vais me mettre dans le hamac au niveau de ma bâche. Bon, désolé encore une fois pour l'image, mais bon, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Et là j'ai mis le All-Weather Blanket sur mon sac pour protéger en attendant. Et Simon lui va se mettre un petit peu en dessous et il restera des arbres encore pour que Yvan puisse s'y mettre. Peut-être qu'on mettra une autre bâche pour qu'on soit un peu plus abrité. Voilà, là j'ai monté mon tarp. Donc déjà au moins je serai à l'abri, je vais monter mon hamac. Et une fois que le hamac sera monté, je vais mettre les affaires dans le hamac et le hamac filet pour que j'ai au moins le sac de couchage et les habits à l'abri. Voilà, et là-bas il y a Simon qui continue de monter son camp, on va aller le voir. Voilà, là je vais m'installer entre ces deux gros arbres là. J'ai dû élaguer un peu 2-3 branches vertes parce que sinon ça aurait été juste impossible de placer le hamac. Donc il y avait deux branches de noisetier qui étaient là. En fait, je vais tendre mon nouveau tarp. Je ferai le retour du DD hamac pour... Ah oui, non, mais c'est pas une vidéo. Bon, bref, je vais tendre mon tarp et mon hamac. Et puis je vais soulever cette branche là au-dessus du tarp, comme ça je vais pas la couper. Normalement ça devrait être bien, mais je vais devoir faire l'alpiniste pour monter dans le hamac, le bon, ça ira. Voilà, j'ai pu tirer le sac et les affaires déjà sous le tarp pour protéger un petit peu. Là-bas on a aussi l'autre bâche comme on l'a vu. Et comme on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, en fait le plus important quand il pleut, c'est de d'abord tendre la bâche avant de monter le hamac pour pouvoir travailler à l'abri. Bon, là en l'occurrence on est déjà bien mouillé puisque ça fait un petit moment qu'on y est et qu'on a dû venir jusqu'ici, mais bon, c'est sympa, c'est le jeu. Voilà, le montage de mon hamac est terminé. Il faudrait juste que je monte le petit hamac filet au-dessus. Et Simon, lui, est en train de tendre sa fêtière là-bas. Ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà, à l'intérieur, je commence à placer déjà des choses importantes qui ne doivent pas être mouillées, comme le sac de couchage, ainsi que le sursac, les affaires de rechange, pour être sûr de passer une nuit au sec. Voilà, quand on envisage de passer nuit en hamac sous la pluie, il faut surtout pas oublier un détail, c'est de mettre des ficelles ici, donc sur la cordelette du tarp, sur la cordelette du hamac filet et sur celle du hamac ici, parce qu'en fait si on ne le fait pas, eh bien ça va venir s'imprégner, s'infiltrer jusqu'au hamac ou alors jusqu'au hamac filet, puis ça va goûter dans notre hamac, tandis que là avec la petite ficelle, ça va venir s'imprégner au niveau de la ficelle et retomber sur le sol. Donc c'est un détail très important qu'il faut évidemment faire des deux côtés du hamac. Voilà, on a monté les deux bâches donc face à face avec une ouverture au milieu pour pouvoir laisser le feu comme on l'avait déjà fait une fois avec Yvan. Mon hamac est terminé et celui de Simon est prêt aussi. Il suffira juste de tendre sa bâche sur le côté. Donc là on va pouvoir commencer à débiter du bois pour le feu. Et je voulais vous parler d'une petite modification que j'ai fait au niveau de la scie Fiskars. Donc je vous en avais parlé dans un bivouac, que c'était possible de modifier le manche
Donc là, je me suis amusé, là, pour ceux qui ont suivi sur Facebook, j'ai mis les petites étapes. Donc j'ai fait un manche en pin, qui a à peu près la même forme que celui d'origine, avec une sorte de cuir en haut, c'est pas du cuir, c'est un simili-cuir, sur le dessus, histoire d'avoir un look un peu plus sympa, qui ressemble à Momoko Togan, que j'avais fait. Je vous mettrai un petit lien de la vidéo dans la description. Voilà, en attendant, bah, ça ne change rien à l'efficacité, puisque le plastique était déjà très bien, mais ça lui fait un petit côté sympa. Voilà, donc Simon a ramené cette hachette. En fait, c'est la même que celle que j'ai, la Bushcraft Axe de chez Weatherlings. Sauf que lui, c'est la Bushcraft Hatchet. Donc la seule différence qu'il y a, parce que là, on est en train de regarder au niveau de la tête, de l'épaisseur, de la longueur, du tranchant, etc. Ça a l'air d'être exactement la même chose. La seule différence qu'il y a, c'est une dizaine de centimètres d'écart. Donc c'est assez marrant, parce que la hachette... et donc un peu plus légère, puisqu'il y a moins de bois. Par contre, en main, elle paraît plus lourde que celle-ci. Beaucoup plus lourde, même, c'est assez, assez marrant. Et donc, pour le travail à une main, c'est très bien. Après, pour le travail à deux mains, on va être un petit peu limité, bien que ce soit quand même faisable. C'est quand même possible. Donc, pour ceux qui aiment bien les petits gabarits, ça pourrait être une option. Sachant qu'elle fait une quarantaine de centimètres. Et que celle-ci, dont on parle très souvent, fait une cinquantaine de centimètres. Voilà, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Là où ça va jouer, c'est sur la sensation, vraiment, au niveau du poids, et sur le fait de pouvoir travailler plus facilement à deux mains avec ce modèle de 50 cm. Moi, je suis assez content. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook, la lame n'est pas vraiment dans l'axe comme je l'aurais voulu. Mais bah, ça ne gêne pas du tout, et le manche, bah, pour l'instant, c'est vraiment très confortable. Voilà, là, avec Simon, on s'est amusé, on a un peu débité du bois, donc avec sa scie qui est une imitation d'une Baco, qui marche bien également. Et juste à l'instant, Yvan qui vient d'arriver. Salut à tous, on est content d'être arrivé. Aujourd'hui, on a un temps merveilleux, hein. Il pleut comme vache qui pisse, on va passer la soirée sous la bâche. Donc en espérant qu'on va pas trop galérer pour allumer le feu et qu'on puisse manger un morceau. Allez, à tout à l'heure.
je me suis fait un petit replat avec la hache et je vais m'en servir pour prendre tous les petits morceaux qu'on a sciés tout à l'heure pour les refendre, parce qu'on va faire un feu inversé, donc un top down, un upside down, peu importe comment on l'appelle. Et du coup on va être obligé de reprendre l'intérieur du bois, puisque comme on l'a déjà vu, c'est l'intérieur du bois qui est le plus sec. Donc je vais être obligé de tous les refendre, sachant que comme vous le voyez peut-être ici, eh bien, c'est complètement détrempé sur l'extérieur. Voilà, donc comme on l'a déjà vu, ce qui est vraiment bien lorsqu'on refend du bois, c'est que l'intérieur est plus sec. Donc ça sera beaucoup plus simple pour le feu. Donc ce que je fais, c'est que je les fends et comme c'est tout trempé partout, je les mets un peu droit ici pour que ça puisse quand même ruisseler un peu dessus. Et voilà, Simon s'amuse parce que Yvan a ramené aussi sa grande hache. J'aime beaucoup. Donc là, je voudrais faire une dédicace à Morad de Panam Bushcraft, parce que je sais qu'il adore les haches aussi. Voilà, pour toi ce soir, on a fait une petite orgie de haches. Voilà un homme heureux. Bon ben voilà, l'impression après les trois premiers coups de hache avec la forest et la bushcraft, la forest est excellente. Pour débiter comme ça, on sent même pas les vibrations dans les mains quand le coup tombe. Alors qu'avec les haches plus petites quand même, on sent quand même que ça tape dur. J'ai un gros coup de foudre. je suis un peu ému là. Non, la bushcraft elle est hyper polyvalente, elle est super agréable. Mais vu que j'ai une petite, si je devais en prendre une autre, je prendrais encore un peu plus grosse. Voilà. Voilà, donc là, j'ai commencé la structure du feu inversé. Avec donc tous les petits morceaux qui sont refendus ici. Et j'ai amené avec moi, pour ceux qui ont suivi sur le Facebook, du bois gras que j'ai ramassé dans la semaine. Et de l'écorce de bouleau, donc on va l'allumer avec ça. Voilà, bah le feu a l'air quand même bien parti, même si pour l'instant ça reste encore assez fragile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les morceaux de bois ici sur les côtés. Donc ça va un petit peu maintenir ma tour de piste, si on peut l'appeler comme ça. Et au passage, ça commence à le faire sécher. Donc ça sera mieux pour le moment où il devra prendre. Bonsoir, ce soir nous nous retrouvons pour la cuisine bushcraft. Alors au programme, j'avais décidé de préparer des acras de morue
à Yvan et Jus, parce que je suis originaire de Guadeloupe, ça se voit, je sais. Mais bon voilà, donc en fait, c'est très simple. Quand on n'oublie pas la moitié des éléments comme moi, il suffit d'avoir de la morue, à défaut du cabillaud, 8 cuillères de farine, et après vous agrémentez avec du piment, que j'ai oublié, des cébettes, de l'ail frais, que j'ai oublié, et vous rajoutez un œuf, que j'ai oublié, un peu d'eau, de manière à ce que ça reste bien épais, vous laissez reposer une demi-heure, une heure, deux heures, etc. Et puis après, vous faites frire dans une poêle ou dans la casserole. Juste aller-retour, une fois que c'est bien doré, vous ressortez et vous dégustez. Je tiens cette recette d'amis guadeloupéens. Et donc, il faut bien chicaner la morue. Et après, il faut que ça se mélange dans les acras. Si vous faites des morceaux, ça sert à rien. Et voilà ce que vous voyez sur le bout de bois qui frétille. En fait, c'est la résine du bois gras qui ressort du bois et qui permet de consumer plus lentement le morceau. Pour ce soir, non, je vais pas vous refaire des pâtes, on l'a déjà fait, mais ça aussi on l'a déjà fait, mais c'est un classique, on avait envie d'y revenir. Simplement des bunny dogs, donc on a les saucisses qui sont frais, et là on va faire une petite pâte pour les envelopper, on va planter ça sur un bâton, et ça y est, on va pouvoir faire cuire avec le feu de Julien qui a quand même bien démarré. Et voilà, le premier bunny dog qui chauffe gentiment. Et à côté là-bas, les acras de Simon. Ils sont en train de baigner dans l'huile. Bah, je pense qu'on va pas avoir faim encore ce soir. Je pense qu'on peut tester les acras. Ne vous attendez pas à trop bien. Dans ma tête, j'étais censé faire une vingtaine d'acras délicieux, etc. Et au final, ça y ressemble, mais c'est franchement, j'ai connu mieux. Donc, ils vous donneront leurs impressions. Non, en tout cas, ça sent super bon. Mais je suis un peu déçu. Complètement foiré la recette. C'est beau d'avoir essayé. Guadeloupe, pardonne-moi. Normalement, tu les laisses dans la Simon est un peu déçu, mais moi je suis fan. C'est vraiment beau de l'avoir fait ici, puis très beau esthétiquement, puis c'est super bon, vraiment, je trouve que c'est une réussite. Très bon. Voilà, les bunny dogs sont cuits. Bon appétit. On continue à manger. Bon, ça a beau être assez courant maintenant. Bah, les bunny dogs, là, c'est toujours un délice. On régale à chaque fois. Ça fait du bien de manger chaud, là. Tout à l'heure qu'il pleut. Donc là, en parlant de ça, je crois que la pluie s'est arrêtée il y a quelques instants. Seulement, on a encore de l'eau qui coule depuis les branches des arbres. Donc, en tout cas, le torrent, le ruisseau gronde encore pas mal.
On verra, on va peut-être s'éloigner un petit peu pour voir si on a un petit ciel dégagé pour voir s'il pleut encore. Bon voilà, après avoir bien mangé quand même si c'était relativement simple, bah, on a fait un petit trépied histoire de se faire chauffer un petit café ou un petit thé. Et du coup là, suite au dernier bivouac avec Yvan, on avait discuté par rapport au fait de prendre une bouilloire ou pas. J'ai longuement hésité parce qu'en fait dans la popote on peut faire bouillir de l'eau et là ça fait toujours quelque chose en plus à porter. Mais on s'est dit que c'était quand même plus pratique pour verser l'eau. Puis également par exemple si on prend la popote de Simon ce soir où il a fait ses acrés à l'intérieur, donc ça va être difficile ensuite de refaire bouillir de l'eau à l'intérieur, etc. Ça va pas être très clair. Du coup c'est quand même intéressant d'avoir une bouilloire exprès, en plus c'est assez joli. J'ai choisi ce modèle parce que elle est en acier inoxydable, donc du coup c'est plus sain, il n'y a pas de BPA, etc. C'est plus simple pour la nettoyer aussi. Pour ceux qui me demandent souvent comment je nettoie mes popotes, etc. Je le fais souvent au sable en fait quand je suis sur le camp. Et du coup l'inox ça ne craint pas les éraflures, on va dire. Et chez moi, tout simplement avec le verre d'éponge, je frotte et la popote, quelques rayures, mais elle est toujours là. Donc voilà, pour la petite présentation, je pense que je m'en servirai maintenant assez régulièrement. Je sais que par rapport à ce que j'ai dans mon sac, là, si t'es plein à craquer, ou alors je la foutrai dessus. Voilà, c'est pour jamais. Bon alors avec Jus et Yvan on disait qu'on en avait marre du mauvais café lyophilisé. Donc je vais me demander de présenter en fait une astuce que m'a donné Laurent lors d'un Laurent le Comtois lors de mon dernier bivouac avec. En fait c'est d'utiliser des capsules de Senseo. En fait c'est du vrai café. Donc en fait vous le mettez tout simplement dans l'eau bouillante, vous laissez infuser. Et ça fait le même effet qu'une machine à expresso, donc du coup ça permet d'améliorer son quotidien. Voilà. Et voilà. Ouais, une très bonne astuce. Une bien belle couleur. Bon voilà, il s'est remis à pleuvoir du coup pour protéger le feu, pour terminer la soirée. On a monté la All Weather Blanket entre les deux bâches ici. Donc ça nous fait une sorte de petit toit, de quoi laisser passer l'air évidemment. De toute façon on a aéré tout autour. Mais c'est surtout pour protéger le feu, pour pouvoir le maintenir et éventuellement avoir quelques braises pour demain matin. Bon, on se demandait pourquoi il s'est remis à pleuvoir et la réponse c'est ça. J'aime remonter les cours d'eau, ça me fait un bien fou. Les paysages sont tellement beaux, ici on a tout. Y a tant de choses à faire quand on est dans les bois. Le plaisir y est le même qu'on y soit de toi. Choubidoubidoui, avec Simon la tuberoui. On va passer une bonne soirée.
presque un tour ou deux. Alors je prends de l'altitude avec le bouche-trappe alpin. Et dans la forêt et de sa quiétude, j'oublie vite fait le quotidien. Oh, oh, filou, je vais respirer un tour. Bivouaquer, bouche-trappe et m'amuser. Un mec comme moi pourrait, je crois, pour être bien mieux une fois dans les bois. Après avoir bien mangé et bien chanté, on va se faire un petit tour du côté du ruisseau, voir si on peut remonter un tout petit peu, voir ce que ça donne là-bas dessous. Voilà, il est à peu près 2h moins le quart. Et avant de se coucher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper un petit peu de bois et le placer sous la bâche, quoi, sous les bâches, de manière à ce qu'il soit quand même un petit peu moins humide, ce qui nous permettra éventuellement de faire repartir le feu demain. Voilà, donc là, je me sers du trépied qu'on avait fait pour le faire chauffer l'eau. Et en fait, je redébite des branches qu'on est allé chercher. Et je les mets en hauteur de manière à ce que ça puisse un minimum sécher ou au moins plus tremper pendant la nuit. Donc tout ça à l'abri des bâches et pas loin du feu. Voilà, donc là je suis dans le hamac. Et un détail qui est assez important lorsqu'il pleut, et que je fais souvent d'ailleurs même lorsqu'il ne pleut pas, c'est mettre les chaussures sur deux bâtons qui sont plantés donc dans le sol, avec les chaussures à l'envers. Donc ça va permettre de protéger les chaussures de l'eau
parce qu'il pleut, ou alors des insectes, par exemple l'été, etc., qui ne monteront pas à l'intérieur des chaussures, notamment les serpents, etc. Donc une petite sécurité supplémentaire. Et du coup là c'est mes bottes de neige et qui ont fini par passer l'eau, donc je vais changer de chaussettes, ça fait quand même bien d'avoir les pieds au sec. Voilà, on verra demain matin, mais logiquement demain matin il ne devrait pas pleuvoir, puisque lorsqu'on a fait notre petit tour de ruisseau, en fait on a vu le ciel qui était quand même bien dégagé avec des belles étoiles. Donc là en fait toute l'eau qu'on prend c'est ce qui reste dans les branches des arbres et qui continue de tomber. Bon bah salut, bilan de la nuit, j'ai eu encore un peu froid dans mon hamac, mais au moins j'ai réussi à dormir pour ceux qui ont suivi mon dernier bivouac avec Laurent. Donc plutôt positif, il a fait 2 degrés, ça va, donc là on va déjeuner, ça va faire du bien. Bonjour, content de vous retrouver après une nuit bien humide, mais très correcte quand même, on a pas mal dormi. Je me suis levé le dernier, j'ai retrouvé que Simon qui essayait de rallumer le feu. Julien était parti faire son offrande à la nature. Voilà, c'est ça aussi le bushcraft. Donc on va aller sûrement se faire un petit café et plier le campement et profiter de cette belle journée. Les nuages se sont levés. Voilà, pour moi j'ai passé une très bonne nuit, j'ai pas du tout eu froid, alors à la différence d'Yvan et de Simon, je dors un peu plus habillé, en fait j'ai juste... J'avais pas mon coupe-vent, autrement j'avais ma polaire, etc. et mon pantalon. Et je dors habillé suite à des bivouacs que j'avais fait avec Jean, où il avait dormi lui habillé et moi que en slip. Et en fait j'avais froid, lui non, alors qu'on avait le même sac, etc. et que c'était l'été d'ailleurs. Et depuis je dors habillé et ben, le bilan, je pense que ça vaut quand même le coup, parce que j'ai remarqué plusieurs fois lors des réveils que je n'ai pas eu froid et que les autres ont eu un peu frais dans la nuit. Sur mon thermomètre, il a été 1,5 en température. Voilà, sinon bien confortable, bien content de se retrouver sans la pluie ce matin, comme on l'avait prévu. Donc ça reste quand même pas ciel bleu, mais bon, il pleut pas, donc ça devrait aller.
temps pour moi d'y aller. J'ai bien profité, encore passé une bonne soirée, mais je suis attendu. Il n'y a pas que la forêt, il y a aussi la famille. Donc je souhaite à mes deux comparses une bonne journée et à vous une bonne fin de vidéo. Et en vous retrouvant pour le prochain bivouac. Salut! Bon, alors on est en train de faire la vaisselle avant de partir. Ça, c'est l'assiette qui a servi à faire les fritures hier. Donc j'ai déjà fait un premier nettoyage à la cendre. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus propre que d'habitude. Mais en fait, vous prenez de la cendre bien blanche. Et c'est censé avoir l'effet de savon. Donc d'accrocher les graisses. Donc pour nettoyer ce genre de plat, vous ramassez juste un peu de cendre de votre feu et vous frottez. Avec un peu d'eau dans la rivière, ça sera encore plus efficace. Voilà. Et vous voyez que ça va finir par partir. Et enlever le gras avec le dernier coup d'eau. Voilà. À tout propre. Bon voilà, Yvan a dû partir avec Simon, nous on peut rester un petit peu plus. Donc on va en profiter pour se refaire une petite tournée de bannique pour le repas de midi puisque ça approche. Avec toujours un peu d'eau qui boue là-bas. Donc on va mal se régaler. Voilà, le temps que les bannics chauffent, cuisent, on va un petit peu ranger le camp. Donc on va faire avec saucisse et sans saucisse. Et on laisse l'eau bouillir depuis un moment parce qu'en fait c'est à partir de 5 minutes à peu près que la majorité des microbes sont éliminés. Et là comme il pleut en plus, qu'il a plu, ça peut drainer des choses dans les ruisseaux. Donc il vaut mieux laisser un peu plus longtemps. Voilà, le premier bannik est prêt. Et le camp se range tranquillement. Simon lui a pratiquement terminé. On va se déguster ça, un petit café, et ce sera l'heure de rentrer. Voilà, l'heure du départ approche, donc on va s'occuper de nettoyer tout l'espace feu pour laisser aucune trace et être sûr que ce soit bien sécurisé. Voilà, c'est vraiment humide partout, mais on va quand même enlever un maximum de braise, de cendre pour couvrir le tout d'eau et ensuite laisser tout propre et camoufler le coin. Voilà, le coin est bien propre. Et terminer de ranger le sac et partir. Et voilà, les sacs sont prêts. Le coin est bien rangé. On est prêt à descendre. Bon, ben, nous voilà rentrés jusqu'à la voiture. Bilan de ce bivouac avec Jus et Yvan, ben, pour moi, c'était super, génial. Je les ai regardés faire, j'ai fait un peu. On a eu un temps assez pluvieux, ce qui était intéressant à faire. J'ai rencontré deux personnes super sympas. Non, franchement, moi, j'étais très bien, très content. Donc, merci, Ju. Et merci à Yvan qui est déjà parti. Voilà. Bon, là, on est parti sous la pluie. On revient sous la pluie. On a eu de la chance ce matin qu'il n'y ait pas de pluie pour pouvoir ranger les affaires et apprécier un peu le moment. Une très, très, très bonne rencontre avec Simon que je pensais apprécier à travers ses vidéos, que je trouvais vraiment sympa, humble, etc. Et ben, en réalité, il est comme dans les vidéos. C'est très, 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 très sympa d'être venu à lui, d'avoir fait le déplacement. Une belle rencontre, je pense que ça se refera sûrement. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.